bienvenue à Huesca, où il fait très beau sur le stade El Alcoraz, ce qui n'est pas une surprise. Dans cette région du nord de l'Espagne, nous allons suivre ce match avec Pierre Ménès. Il devrait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Liga Santander que nous allons suivre. Huesca contre le FC Barcelone. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Le ballon par-dessus. Attention, ce ballon piqué. Busquets, mais il perd le ballon. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Alors, est-ce qu'il faut une fois de plus s'attendre à un gros match de Léo Messi? Poser la question, c'est déjà y répondre. Ouais, c'est un joueur vraiment très adroit devant le but. Quand il a le ballon dans les pieds dans les 20 derniers mètres, il y a danger. Attention, il peut centrer là. Ouais, il lui rend, première intention. Mosquera. Non, ça ne donne rien, c'est joué trop fort. Et Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Ce match qui ne devrait être a priori qu'une simple formalité pour le Barça. On va renverser complètement de l'autre côté. Griezmann qui continue de progresser. Ah non, ce n'est pas cadré, il s'en est fallu de peu. Ballon rendu à l'adversaire. En profondeur, oui, bien vu. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Léo Messi qui frappe ce corner, bien parti. Ouais, bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Un dégagement miraculeux. Ouais, c'est bien défendu quand même. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Heureusement qu'il est intervenu à temps, sinon l'action se terminait par un but. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Ouais, la bonne claquette, là, bien joué le gardien. Allez, le corner qui pourrait peut-être permettre au Barça de virer en tête. Attention. Allez, pas de risque inutile. C'est dégagé en touche. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Mikel Rico. Bien défendu, le ballon qui sort en touche. Ah non, la mauvaise remise en jeu. Le ballon directement rendu à l'adversaire. Mosquera. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Le ballon récupéré sur cette intervention. Borja Garcia. Il faut trouver une option disponible. Encore une fois, le montant. Et le ballon qui sort derrière. Ouh là là. De Jong. Ousmane Dembélé. Il conserve le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Mikel Rico. Ah, la passe en profondeur, attention. Le
tacle de la dernière chance dans la surface. C'est un peu kamikaze, non? Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Le quatrième arbitre lève son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. Oh, le défenseur, il n'a rien compris, là. Ah non, je crois que le temps qu'il pige sur quel pied il fallait mettre, là... Eh oui, le but! Il ouvre le score! C'est un joueur qui avait fait un gros travail en éliminant ce défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Marca el Huesca! Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. On n'a pas du grand Léo Messi aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Barça qui court après le score, alors que débute cette seconde période. Mosquera. Okazaki. Allez, ils vont jouer la touche. On va construire en passant sur les côtés. Il y a du monde hein, dans cette zone. Le défenseur qui contre ce ballon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Okazaki. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ah oui, c'est bien fait ça. Il va peut-être pouvoir égaliser. Oh, le but! Oh, le FC Barcelone qui égalise! Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. Ensuite, c'est simple, le premier fixe le gardien et l'autre marque. C'est cruel, hein. Et moi, j'aime bien quand c'est cruel. Et voilà donc à égalité, un but partout. Gol del Barcelona, con el once Dembélé. La petite passe en cloche. Il frappe. Oh, l'énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Très bonne intervention, bien vu, c'est pas terminé. La récupération de Dembélé. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Le centre d'Antoine Griezmann. Allez, ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Non, ça va rien donner. Cette tête qui passe assez loin du cadre. Oui, il était bien marqué, il pouvait pas faire grand-chose de plus. Tiavas. Oui, c'est intéressant comme stat. Hein. En tout cas, moi, je regrette pas d'être venu. Pas si souvent. Les deux équipes veulent imposer leur jeu. Elles ont plein d'occasions. Et en plus, on a vu des buts. Donc voilà, hein, pourvu que ça dure. Hein. L'action qui se poursuit. Il l'a frappé, il a été contré. Et c'est encore lui sur le ballon. Ousmane Dembélé qui perd ce ballon. Récupération de Jordi Alba. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Ah, il est bien parti ce corner. Ah, les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Avec De Jong. Un ballon perdu par le Barça.
Ce sera une touche à suivre. Plus que quelques minutes à jouer, tout reste possible. Un très bon ballon là pour le Barça, peut-être celui de la victoire. Ah, il perd ce ballon. Il n'en reste plus que 9 minutes à jouer hein, dans cette partie. Borja Garcia. Attention, il peut centrer là. Ah, la défense qui doit être vraiment vigilante hein, sur ce corner. Surtout ne pas prendre un but maintenant. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ah, la bonne intervention du gardien qui repousse. L'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Lionel Messi. Attention à cette action des Blaugrana. Pas sûr que ça se termine sur un match nul tout ça. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Pablo Maffeo. Dombia. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon par-dessus. Ah, c'est bien défendu. Et voilà, la fin du temps réglementaire. Les deux équipes qui sont à égalité